Je cherche. On voit tout, mais on ne voit pas. Personne d'utile pour l'instant. Vous êtes oui. Habitué. Oui, oui, oui. En fait, on est venu durant presque toutes les manifs, on a fait. Mais, voilà quoi. Mmh. Ah, vous verrez peut-être pas. Je l'ai. Ah, votre couleur, c'est le rose. Parce que je suis rose de partout, rose. Dans mes idées, dans tout. Oui. Voilà. Vous êtes socialiste? Oui, madame, et fière de l'être. Bien. Voilà. Et vous êtes là pour quoi? Pour soutenir tous ceux qui en bavent en ce moment. Mmh. Parce que j'ai la chance d'être retraitée. Mmh. C'est une chance, hein? Oui, 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 oui. Je pense à tous ceux qui auront du mal à atteindre la retraite. Et voilà. Comment nous allons faire pour qu'il y ait du monde dans les manifs? Il faudrait que les gens aient moins peur de l'avenir. Mais avec ces médias, c'est difficile. Oui, hélas. Est-ce que vous accepteriez qu'il y ait 2 mois de grève à la maison pour tout changer? Je ne travaille plus, ça m'est difficile de me prononcer. Hein? Moi, je ne travaille plus. Et pour vos enfants, est-ce que cette idée leur plairait? Mes enfants, est-ce qu'ils le feraient? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous, vous avez entendu ma question? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, moi, j'ai un fils qui est artisan, qui n'a pas de travail actuellement. Donc, voyez-vous, c'est très difficile. Hein. Et donc pour lui, de fait, comme l'économie ne fonctionne pas, il ne travaille pas, déjà, pour l'instant. Oui. Hein? Donc les retraités, ils sont là pour leurs enfants aussi, pour leurs petits-enfants. Oui. Alors si on veut diminuer les retraites, voyez-vous, il faudra qu'il y ait un petit peu plus de solidarité au niveau de l'État, parce qu'actuellement, les retraités sont très importants pour les enfants et les petits-enfants. Et votre fils, est-ce qu'il serait d'accord de rester 2 mois à la maison? Comme ça, on changerait tout et il aura du travail. Mais en ce moment, il y est, à la maison. il attend des contrats, il attend... Oui, qu'est-ce qu'il est comme artiste? Qu'est-ce qu'il fait il comme est dans la bijouterie fantaisie. Il est artisan, il est créateur. C'est très difficile en ce moment, oui. C'est difficile pour beaucoup de gens, mais encore plus pour les artisans et pour les créateurs. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas simplement parler du recul de l'âge de la retraite. Il faut parler du nombre d'emplois. Il faut relancer l'économie. Il faut qu'il y ait du travail. Actuellement, on veut faire travailler les gens plus tard alors qu'il n'y a pas de boulot. Les jeunes sont sur le trottoir et on veut faire travailler les vieux. C'est incroyable. C'est de la folie, quoi. C'est un non-sens. Ils se foutent de nous, quoi. Ils se moquent de nous. Voilà. Il paraît que c'est pour diminuer la retraite qu'on fait travailler plus J'en suis convaincue que c'est pour diminuer les retraites, bien entendu.
bien entendu, c'est pour ne pas payer les retraites, mais en attendant, on va payer davantage de chômeurs, des jeunes qui n'ont pas d'avenir. C'est fou. Voilà. C'est révoltant. Voilà. C'est révoltant. Ils se moquent de nous. Le gouvernement se moque de nous. Et tous les gouvernements, d'ailleurs, de l'Europe comme du monde, hein, ils le savent très bien où on va. Ce sont simplement les financiers qui ont le pouvoir et les autres, ils sont là pour supporter, pour accompagner leur goût du pouvoir, de l'argent. Il n'y a plus que ça qui compte. Si on ne retrouve pas un peu d'humanité, un peu de solidarité, l'être humain, il est fichu. Ah oui, alors un groupe qui... Et puis après, pour que ce groupe continue à gagner beaucoup d'argent, il faut encore qu'il y ait des gens qui travaillent et qui rapportent des sous. Donc voilà. Et comment vous êtes sorti, puisque vous êtes socialiste, il y a eu aujourd'hui un mot d'ordre pour les socialistes? Pas du tout, mais vous savez, on entend, les médias sont ce qu'ils sont, ils disent parfois des bêtises, mais en même temps, ils nous informent et ils nous disent qu'il y a des choses qui se passent, et voilà, bien sûr, Internet, les médias, etc., on n'est pas idiots hein, quand même. On essaye de nous diminuer notre argent, notre pouvoir d'achat, mais on a encore notre esprit, et ça, on ne peut pas nous le prendre. Hein. Comme dirait un certain chanteur, on ne peut pas nous enlever notre liberté de penser. Voilà. Tu demandes des sous aux manifestants, pourquoi? Non, nous sommes les grévistes. On est la grève 9 mois. Pour accorder des papiers. On était travailler, on a levé tout. Le patron a juré pour accorder des papiers. Bon, on a les grèves avec les syndicats. Il va nous amener. Comment on va gagner les papiers? C'est ça qu'on est rentré faire les grèves. Donc, vous faites quoi? Bâtiment. Oh, dans le bâtiment. Ouais, c'est nous qui travaillons dans le bâtiment. Toi, tu fais quoi dans le bâtiment? Marteau-piqueur. Marteau-piqueur? Ouais. Ah ben bravo. Je viens balayer, couper les ferrailles, je fais tout. Voilà. Et tu n'as pas de papiers? Tu es embauché comment? On a été travailler en intérim. D'accord. Pas d'intérim. Donc vous êtes aussi soutenu par le CGT intérim? Voilà. Oui. On est travaillé. Mais comment ça se passe si tu n'as pas de papier, comment ça se passe par rapport au patron? Toi, le travail, comment tu le vois? Bon, le patron l'a dit, on a rentré taquer. Si c'était dit, on taquait les patrons pour donner une nuit SARPA. Bon, beaucoup de patrons, on a donné les SARPA maintenant. On donne les CGT. CGT. Il dit qu'il fait une négociation avec le gouvernement. Non mais d'accord, mais ma question c'était... Excuse-moi. Comment fait le patron pour t'embaucher si tu n'as pas de papier? On était fait l'intérim. Et l'intérim, comment il faut? Quand tu trouves d'autres travaillent avec les faux papiers, d'autres prennent les papiers, les copines, ton coucher pour travailler. Voilà, c'est ça. Donc c'est le copain qui est payé et il te paye après. On a tous à payer les impôts. Donc. C'est le drapeau des Qatar, des Bogomil. C'est à l'Andoc. Oui, c'est ça, Occitanie. Occitanie. Avec des cloches. Avec les cloches, oui. Ça fait plutôt monde paysan que protestation ouvrière. Mais les paysans aussi sont dans la même galère. Ils ont ni retraite, ni quoi que ce soit. Ah oui. Tu fumes trop. Ça va, tu me l'as dit.
gamin fait de défiler avec du jazz. Et c'est ce qu'il y a derrière les arbres qui sont de l'autre côté du métro. Qu'est-ce qu'il y a ? La prison de la santé. C'est quoi ? La prison de la santé. De ce qu'on voit là-bas ? Là derrière. Les maisons là-bas, les jolies maisons ? C'est... Ah non, pas les jolies maisons, derrière les... Derrière... derrière les arbres. Derrière le métro, derrière les arbres. Ah oui. On pourra la voir à partir du coin de la rue là-bas. Mmh. Ah oui. École, santé, fonction publique, on fait ça, pathologie, voilà du travail, mobilité, on fait. C'est parce que les caméras de la télé sont habillées contre la pluie, mais moi je ne peux pas parce que je n'ai pas de couverture filmée dans la pluie, je ne peux pas. Là c'est une bonne place pour filmer. Oui, merci beaucoup. Oui. Mais c'est logique parce que tu as le féodal financier et tout devient féodal. Telle économie, tel rapport dans les sociétés. On est plus proche des esclaves que des... Servitude, la servitude. La servitude, voilà. Et dans le cinéma, c'est arrivé très tôt. Parce que la financiarisation est arrivée très tôt, il y a 20 ans. Mais les gens sont courageux dans cette pluie. Hein? Les oui. gens sont courageux. Oui, mais oui. La pluie se calme un peu là, ça va mieux. La verse est passée. Ah bah c'est pour les retraites, hein. Quoi ? Pour la retraite à 60 ans. Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, les slogans qu'on chante, bah écoutez-les. Je les connais pas par cœur là. Si c'est ce pas que tu veux jeter, viens avec nous manifester. Si c'est ce pas que tu veux garder, viens avec nous manifester. T'as un problème à l'Élysée, viens avec nous manifester. Si tu veux pas t'écouter, viens avec nous manifester. Si c'est ce programme que tu veux jeter, viens. Vous n'avez pas les rues. Non, monsieur, vous n'avez pas les rues, hein. Pardon. Vous n'avez pas les rues. Ah bon, bah, je suis désolé. Ça s'organise bien le sud. Éducation, vous êtes bien organisé aujourd'hui. Comment ? Est-ce que vous êtes bien organisé aujourd'hui ? Bah avec le peu de militants qu'il y a, oui. Pas plus. Oui.
La mobilisation, c'est commun aujourd'hui. Ça me semble pas mal. Ah, c'est pas, je suis pas la télé, hein. Je ne suis pas la télé, il faut me dire la vérité, parce que je vois tout. Mais il est correspondant à Paris. Ah, je ne savais pas. Simplement, les gens discutent entre eux aussi. Entre eux. Et puis après, il y a quand même des organisations. C'est comme au Moyen-Âge, quoi. Comme au Moyen-Âge, on peut dire qu'on n'a plus de moyens informés, quoi. Ah, voilà. Vous appelez comment? Mathieu. Et vous êtes quoi dans le FSU? Je suis membre. Oui, d'accord. Thank you.
La manifestation de 20 ans pour tous, une retraite par temps plein. Un calcul du pouvoir et le meilleur pouvoir de la majorité. Avec un objectif déterminé et avec une action de masse. Sinon, oui. On aboutit à rien. Donc si on est tous à la maison, c'est une action de masse, tu dis? Oui, si on est tous à la maison, ça veut dire qu'on est tous en grève. Si les salariés ne vont pas bosser, les entreprises ne tournent pas et les patrons, bah, ils se bouffent les choses. Hein, parce que l'usine ne tourne pas, bien sûr. Oui. Bon, alors, mais l'important, c'est d'avoir un objectif précis et de mobiliser massivement, moyennant quoi on finit par obtenir ce qu'on veut, parce que le pays ne peut pas tourner sans les travailleurs. Et les riches, ils ne peuvent pas s'enrichir sans les travailleurs, puisqu'ils leur pèlent la laine sur le dos. C'est comme ça. Oui. Donc, voilà. Que veux-tu que je te dise de plus? Est-ce que vous lui expliquez? Comment? Qu'est-ce que vous voulez de lui expliquer? Ah, je lui ai expliqué que les syndicats, ils travaillaient pour ceux qui travaillent. Et ils défendaient ceux qui travaillent. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui, il a compris. Parce qu'on cherche un Robert, un copain. On sait pas trop où il est. Et alors, il paraît qu'il s'occupe du national, alors il devrait être en tête. D'accord. Et me demander c'est quoi le national. C'est compliqué à expliquer. Ah oui. En tout cas, t'as des gens à dire. Bonjour. Bonjour. C'était pas une tête inconnue. Mais 88, 19. Ah ouais, quand même, ouais. Bah, ça date un peu quand même. Mais tu vois toujours sur le même. Toujours le même quartier, Monsieur le Prince, tout ça. Enfin, on était deux sur le quartier. Bruno, non, Fred n'était pas venu. Non, Tapi n'était pas là non plus. Motivé, 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 motivé.
justice est en colère et la justice est solidaire. Patouche, patouche à nos pensions. Ils sont solidaires. Patouche, patouche à nos pensions. Les cheminots sont en colère. Les cheminots sont solidaires. Patouche, patouche à nos pensions. RATP est en colère. RATP est solidaire. Patouche, patouche à nos pensions. Tous les transports sont en colère. Tous les transports sont solidaires. Patouche, patouche à nos pensions. Tous les médecins sont solidaires. Patouche, patouche à nos pensions. Il y a beaucoup de monde, je n'entendais pas autant de monde. Mais je suis pas de la télé, hein. Ouais, je vois ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Minimum 1600. Ouais, ouais, ouais. La retraite à 60 ans. Ouais, ouais, ouais. À 75%. Ouais, ouais, ouais. Facile, souvent je défile au côté glacé. GT, car sans les masses, elles se déplacent contre un néfaste projet. Pneumatique, notre ministre nous administre pour enflouer le budget. Alors c'est la grogne de Paris à Boulogne, l'ensemble des salariés. Car l'État fonctionne, et mieux qu'il rançonne, toujours les ouvriers. Maintenant il y en a marre, piller les cigares, on m'a fait donner. On renvoie la balle, c'est au capital de payer. De l'argent pour la santé de nos jeunes et de nos retraités. C'est pas que mode d'être à la mode dans cette foutue société. Moi c'est facile, souvent je défile au côté de la CGT. Car quand les masses, elles se déplacent contre un néfaste projet. Que notre ministre nous administre pour enfouer le budget. Alors c'est la grogne de Paris à Boulogne, de l'ensemble des salariés. Car l'État fonctionne et mieux il rançonne toujours les ouvriers. Maintenant y'en a marre de piller les cigares, on m'a assez donné. On renvoie la balle, c'est au capital de payer. De l'argent pour la santé de nos jeunes et de nos traités. Une dernière fois. Il est souvent des filles, parce que t'es passé, j'étais voilà. Et ils sont dans la rue. Et les banquiers sont dans la rue parce que, pourquoi donc? Pourquoi ils sont dans la rue? C'est parce que les banques vont disparaître. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et que vous êtes dans la rue? Je crois pas. Parce que vous croyez que le système est sûr et qu'il va continuer comme ça? Vous croyez ça? Oui. Mais vous ne connaissez pas l'ordre. Au secours, non, bêche à plat. Vous ne connaissez pas.
le capital de Marx. Vous êtes condamné, mes chéris. Mais c'est la pleine lune, hein. C'est la pleine lune et donc, c'est pour voilà, ça on qu'on s'aime. Et on sait tout. Voilà. Et on s'aime. Et on s'aime, mais... Voilà, c'est le principal. Après, le reste... Oui, de toute façon... Le principal, c'est l'amour. Et oui, l'argent ne vaut rien, c'est bien. Voilà. mais qu'on puisse le distribuer... C'est agaçant, la caméra, quand même. Mais on peut quand même le distribuer aux autres, l'argent. C'est pas la peine de nous le bonheur, oui, le bonheur. Voilà. Oui, mais si on est dans la rue, c'est que l'argent n'est pas à nous. Et bon, donc il faut que ça soit à nous, non? Donc voilà. Voilà, d'accord. Voilà. Il pleut, hein? Il y a encore des syndicats dans l'audiovisuel, ça, non? Il y a des syndicats dans l'audiovisuel. Oui, tout derrière. Ah, ouais. C'est incroyable. Achetez le pot de chambre d'avant. Je bossais avec Aline Boyer. Elle a fait en retraite 5 ans. Elle avait le droit à une retraite de 10 ans. Elle a 10 ans de retraite avec la cotisation. Ça fait déjà une somme belle, bien sûr. Ça double le premier coup. Manifester quand on est dans l'audiovisuel à partir de 80 ans, c'est ça? Sinon, on est viré. C'est ça? La censure est telle que je n'ose demander à personne, quoi que ce soit, du syndicat CGT de l'audiovisuel. Donc je peux parler dans le dos et dans le cou de militants. C'est pareil. Les jeunes ne sont pas là parce qu'ils vont être punis s'ils manifestent, c'est ça? Alors, je ne demande rien. C'est la trouille totale. Ben, je sais pas, je m'en rends pas compte. S'il y a du monde. Je m'en rends pas compte. Tu vends toujours le monde? Oui, qu'est-ce celui-là il est gratuit. Celui-là il est gratuit. Mais qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est, bon, non, ouvre, c'est, le, ouvre, c'est, ouvre. C'est le dernier. Ça c'est le. C'est le gratuit. Enfin, c'est le journal du jour. Bonjour. Comment trouvez-vous la manifestation? Comment? Je ne peux pas parler. Mais est-ce que ça ne va pas surtout toucher les femmes, la retraite? Parce que les hommes, ils meurent beaucoup plus vite. Donc, ceux qui vont travailler le plus, c'est les femmes. Mais elles travaillent déjà plus. Il faut savoir que pour avoir le taux plein, souvent, pourquoi vous me filmez, madame? Mais... Thank you.
solidarité pour les spéculateurs, pas pour les travailleurs. Solidarité pour les spéculateurs. Météo Capitano, le temps est pourri, le gouvernement aussi. Météo Sarko. Capitano. Capitano. Montez, hein, ça date de 68. Sauf que c'était pas Sarko, c'était Météo National. Météo Capitano, le temps est pourri. Météo à Sarko, météo Capitano, le temps est pourri. On va aller chercher, ça va, de l'argent et il y en a dans les caisses du patronat. On va aller chercher, de l'argent et il y en a dans les caisses du patronat. On va aller chercher, de l'argent et il y en a. On va aller chercher, ça va péter, de l'argent et il y en a dans les caisses du patronat. On va aller chercher, ça va péter, de l'argent et il y en a dans les caisses du patronat. On va aller chercher, ça va péter. Ils sont tous à l'usine chez Citroën, ils ont un truc qui s'appelle 40 ans de chaîne. 40 ans de chaîne, c'est la haine. 37 ans et demi, c'est déjà trop. D'accord ? 40 ans de chaîne, c'est la haine. 37 ans et demi, c'est déjà trop. 40 ans de chaîne, c'est la haine. 37 ans et demi, c'est déjà trop. Ouais, vous êtes formidables. Éradiquer le chômage, il a échoué. Il n'a pas rempli ses objectifs. S'il était évalué selon ses critères, le mérite, il serait viré. Les actionnaires qui l'engraissent à ne rien faire devraient lui offrir la présidence du MEDEF. Parce que c'est là sa vraie place. C'est au MEDEF, à la direction du MEDEF. Il travaille pour les patrons. Donc, c'est sa place là-bas. C'est un peu petit petite comme place, peut-être plus mondiale. Comme dans les finances mondiaux. Que c'est une petite place, vous voulez dire? Oh ben, il peut aller au FMI, il peut prendre la place de Strauss-Kahn aussi, parce que c'est pareil, c'est pour affamer la planète, donc c'est aussi sa place. Et tout à fait, vous avez raison. Je suis d'accord. Allez, à demain. On a fait la grève. Non, je sais, oui. C'est pour toi qu'on a fait. C'est pour elle. Pour elle, c'est pour elle qu'on a fait la grève, madame. Ah oui, mais vous avez une grande influence. Vous êtes très influente parce que vous avez donné des genoux de la jeunesse. Il ne se rend pas compte qu'il me met là, il me met en faveur, effectivement. Sauf qu'il considère comme je suis la plus âgée, que ça, je suis la plus concernée, il se trompe puisque même ça va être plus dur pour eux que pour moi encore. Mais c'est magnifique parce que vous aimez de la jeunesse.
se passe où? Non, de, qu'est-ce qui se passe nous, notre entreprise, oui. C'est Emergence. C'est quoi? C'est un organisme qui fait des formations, des expertises auprès des CHSCT, des formations auprès des élus dans les entreprises, des études également. On travaille beaucoup avec les comités entreprises, voilà. Bien, voilà. Et donc, on est une partie de l'équipe, là. Oui, bien, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Oui, les licenciements, ça n'arrête pas, madame. Et alors, pourquoi vous ne faites pas une action pour que tout le monde sache? Ben, on est là pour virer le salopard qui nous a mis ici, qui est là et qui nous guide, qui ne sucre pas les financiers, mais sucre plus les salariés qui payent et qui continuent à payer. Alors qu'il manque, il y a de l'argent, et cet argent qu'il y a, hein, voilà. Comme dit l'autre, mon camarade, si les salariés ne se réveillent pas, et tous ensemble dans la rue, malheureusement, on fera le profit du salopard patronat qui nous guide et qui nous cesse et qui fait souffrir les salariés. Voilà. Tu as dit le roi du Sénégal? Non, non, j'ai oublié de lui dire, mais tu pourras le dire. Alors, le netflixiste, il est encore en vie? Encore? On n'a pas fermé cette banque? On veut la nationaliser, cette banque. Vous allez faire la nationalisation de Natixis? Ah ben, nous, c'est oui, si on veut, ouais. Parce que... Vous êtes qui? Mais... C'est les étudiants grecs? Oui, il y avait la chance. Occupation féroce du capitalisme, patriotisme aux gamins, sandicatula ou... Qu'est-ce que ça veut dire? Le patriotisme pour nous, c'est le droit de peuple et pas les intérêts de capital. Je me demande quand les grèves ont commencé, pourquoi vous ne pouvez pas continuer les grèves chez Total? Oula! Là, c'est une question très politique. Oui. La continuité de la grève. Pour l'instant, on est juste en stand-by. Hein. On est en attente là pour l'instant. Hein. Pour la grève, on attend juste le deuxième CCE. Mm-hmm. Et on va lancer un mouvement de grève. Oui. Est-ce que vous allez faire pour que d'autres se rejoignent dans d'autres entreprises? D'autres entreprises comme des raffineries, hein, tout ce qui est pétrochimie. Oui. Et puis, on espère et on pousse pour. Donc voilà, c'est, pour l'instant, je peux pas vous dire plus. Merci. Oh. Ah mais... Alors attends, je vais te faire. Alors, où est le... Madame, il n'y a que des 13 G qui peuvent dire quelque chose parce qu'il y a une telle censure que personne n'ose dire quelque chose. Alors, vous voulez dire quelque chose à propos de la... Vous êtes très bien. Au revoir. Vous osez manifester, jeune journaliste en Et France. Et vous êtes qui? Vous êtes journaliste aussi? Moi, non. Vous avez manifesté, vous n'avez pas peur avec les censures qu'il y a? Mais elles ne sont pas si jeunes que ça, comment? Elles ne sont ouais. pas si jeunes que ouais. ça. Il y a du fromage. Alors là, tu... Ah là 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 là. Ah, il s'est essayé de faire de son J'en profite. Donc, tu es journaliste où? À Énergie Plus.
qui est un journal d'une association sur... ça traite des nouvelles énergies. La maîtrise de l'énergie et des nouvelles énergies. Ah oui. Et donc, quelle tendance tu n'as pas de tendance d'aller vers, tu n'es pas... Et donc, vous venez d'où en France? Je viens en partie de Bretagne. C'est pour ça que vous étiez libre. Bah, je sais pas, donc c'est vous qui le dites. Est-ce que c'est... C'est chez vous qu'il y a autant de suicidés. À France Télécom, il y en a beaucoup, oui. Et pourquoi la CGT n'est pas présente? Mais on est à la CGT, là. Non, la CGT, qu'est-ce qu'ils font pour les gens qui se suicident et qui sont solitaires dans l'entreprise? Qu'est-ce que fait la CGT? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire changer les choses pour qu'ils soient plus isolés, que l'organisation du travail change, de façon à ce qu'il soit plus poussé au suicide par le travail. On mène l'activité revendicative. Et mais vous allez les chercher parce qu'ils sont déprimés? Quand on sait, mais le problème c'est que justement, quand on a des collègues qui sont dans cette situation, s'ils sont conduits à se suicider, c'est malheureusement parce que justement ils viennent pas, ils sont plus dans le collectif. S'ils étaient dans le collectif, ils se suicideraient pas. C'est parce que justement ils se sont exclus du collectif ou ils ont été exclus par l'organisation du travail du collectif. Et malheureusement, on n'est pas toujours informé. Alors quand on est informé, on intervient, on essaye, mais la plupart du temps, on n'a pas d'informations, on ne sait pas, et on découvre. C'est trop tard. Debout les gars, on va lutter, debout les gars, on va y aller, pour les emplois et les salaires, ensemble on va gagner. Pour les emplois, pour les salaires, ensemble on va gagner. Voilà. La force des travailleurs, c'est la grève. La force des travailleurs, c'est la grève. La force des travailleurs, c'est... La force des travailleurs, c'est la grève. La force des travailleurs, c'est la grève. Ouais, mais bon, si tu veux... les travailleurs, ils sont pas raisonnables, ils veulent des salaires, des congés, ils veulent pas travailler le dimanche, tout ça, ils veulent la sécu, puis ils tombent malades, ça coûte cher, puis ils sont vieux après, les vieux, ça coûte cher, il y a les déficits, il y a plus de sous, c'est pas possible, et regardez, c'est la crise, voilà, voilà, c'est pas possible. La grève, mais oui, nom de Dieu! On va faire grève! On va arrêter de produire des richesses! Ils vont voir un peu ce que ça va donner! La force des travailleurs, c'est la grève! Stop, stop, stop.
c'est notre collège. Et c'est marqué plus d'élèves, plus de. C'était quoi ? Plus d'heures, plus d'années, plus d'élèves. Non ! Non ! Non ! Geneviève, c'est là qu'il y a du punch, tu veux un punch ? Décrétons le salut. Tu veux un punch ou pas ? Il y a l'affaire. Eh, Edith, tu veux un punch ? On descend. Non, parce qu'en plus on est en colère là. Là on est en colère là. Niquer la gueule avec les retraites, là on est en colère. Mais c'est peu d'être en colère. C'est très peu d'être en colère. On est très très en colère. Très en colère. Ouais, mais c'est quoi comme caméra ça ? En plus, ça va. Vous ne voulez pas parler ? Non. Non, vous
l'artisanat dans les comptes du patronat pour financer nos retraites et nos salaires et tout ce qu'on voudrait en plus. L'argent, il y en a dans les comptes du patronat. Est-ce que le Premier ministre gaspille beaucoup ? Beaucoup, beaucoup trop d'argent ! Trop de gens, ça va pour des besoins inutiles, c'est ça ? Ça ne sert à rien, Premier ministre. Que là, ils nous en suppriment. Ils suppriment des postes. Ah oui. Et puis un beau logo scotché sur la casquette. Ceci dit, il n'a pas l'air de m'entendre, c'est pas un problème. Les prises de parole, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des émissions télévisées le soir qui sont gouvernées effectivement par qui ? Par certaines personnes à la tête de la République, qui contrôlent les médias, la presse aujourd'hui. Eh ben, on n'a pas cette censure de médias. Donc le micro, il est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent s'exprimer, que ce soit d'Air France ou d'ailleurs, CGT ou d'ailleurs, parce que visiblement, les conditions ne sont pas toutes réunies pour qu'on soit satisfait. Sinon, si elles étaient réunies, ben on ne serait pas dans la rue aujourd'hui pour se faire entendre. Donc voilà, on va poursuivre en chanson. Tout à l'heure, un petit micro-trottoir parmi vous. Eh ben, je vois un jeune retraité, monsieur Yannick. Voilà, effectivement, qui a deux mots à vous dire, puisqu'il est concerné directement. Et puis, quelque part, il va jouir de sa retraite, je l'espère, pendant très longtemps. Ah, on m'a dit effectivement que quelque part, à la retraite, on devient croulant, on est âgé. Est-ce que c'est vrai ? Non, je pense pas. Sauf si le travail, effectivement, on va se battre pour qu'un travail soit décent, que le travail nous use pas jusqu'à la retraite, pour qu'on puisse jouir d'une retraite, mais décente, avec une putain de santé, à faire envier les jeunes de 20, 22 ans, 23 ans, qui ont pas de boulot et qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur carrière. Donc Yannick, c'est quand tu veux, je te passe le micro. Oui, je suis un jeune retraité d'Air France, et bien content de l'être. C'est bien la retraite, c'est très très bien. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas qu'on y aille, ce petit macheux là-haut. Ah. Et donc, je vous disais, les retraites pour les retraités, les manifestations, c'est une excellente performance sportive. Ça maintient en forme. Et puis ça permet de rester au contact avec les actifs. Parce que notre petit homme, notre petit Machiavel en culotte courte, ce qu'il nous impose, c'est de solutions du passé pour des problèmes d'avenir. Le libéralisme, ça signifie modifier, améliorer, mais ça signifie aussi restaurer l'ordre ancien, rétablir l'âge d'or du libéralisme du 19e siècle. Plus de protection sociale, pas de retraite, tout va dans les mêmes poches. Alors pour les retraités comme pour les actifs, je pense que cette manifestation, ça doit être un premier pas.
La retraite est un droit, mais c'est aussi un dû. Et j'estime qu'avec 40 ans d'Air France, j'ai bien mérité, et tous ceux qui me suivront l'auront mérité aussi. Voilà, le combat continue. Vous êtes élu de quel parti ? Malakoff. Comment ? Malakoff. Oui, parti communiste. On a beaucoup cotisé, on a cotisé longtemps, on a travaillé aussi, on a beaucoup travaillé, et puis je veux dire, les cotisations, on a payé beaucoup plus que le privé, et en payant beaucoup plus que le privé, automatiquement on a un retour d'investissement qui paraît logique. Et bon, les gens ne comprennent pas, mais nous ce qu'on souhaiterait, c'est que, je veux dire, en général, c'est pas un privilège, c'est un droit. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les autres personnes aient exactement la même chose que nous, quoi. C'est tout. Que l'égalité se fasse de notre côté, mais que l'égalité, qu'on n'aille pas du mauvais côté, quoi. Qu'on aille toujours du bon côté. Le bon côté, en quelque sorte, c'est vrai que le bon côté, c'est un peu nous. Mais je veux dire que nous, on demande que tout le monde soit comme nous. Voilà. Donc, vous êtes pour les autres et les mêmes personnes. On n'est pas privilégié pour autant. Parce qu'à chaque fois, on s'est toujours battu pour obtenir certains droits, etc. Que d'autres n'ont peut-être pas fait. Quoi. Disons qu'en quelque sorte, nous, on ne s'est pas trompé d'époque. Voilà. Oui, dans la bonne époque. Voilà. C'est sûr et certain, quand on voit tout l'argent qui est au-dessus de notre tête, oui. Ça serait normal qu'on en ait un peu. Voilà. Oui. Merci bien. Voilà. Allez, à plus. Au revoir. Bah nous, on est pour manifester, on est déjà signé, on peut pas sortir comme on veut. On nous assigne obligatoirement à rester près du malade. Mmh. Et par contre, dans quelques temps, il n'y aura plus personne près du malade. Oui. Pour aller dans le privé pour se faire soigner. Et c'est ça le problème. Et payer. Et c'est plus la carte vitale, ce sera la carte bleue qu'il vous faudra. Oui. Et le problème est là. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut faire une grève à la maison. Sans sortir, vous des hôpitaux, nous de la maison. Mais le problème de la grève à la maison, madame, je vous l'explique, c'est qu'on ne peut pas, on est assigné. Non, mais grève à la maison, même si vous êtes dans un hôpital, vous ne travaillez pas. Vous restez à côté du malade. Oui, voilà. Aujourd'hui, il y aurait plus de monde, hein, mais ils sont tous, moi je travaille à l'hôpital de Jean. Ils sont tous punis là-bas. Hein. Parce que c'est gentil.
ensemble. Tous ensemble. Résistance. Et c'est ça qu'il faut mener. Aujourd'hui, c'est à cette hauteur qu'il faut s'engager contre un recul de société que leur avoir nous a imposé. Notre retraite pour les canons. La durée de cotisation. Combien gagne un inspecteur des finances? Comment? Combien gagne un inspecteur de finances? Ça dépend. Je peux vous répondre? Oui, oui. Ça dépend à quel niveau de sa carrière, si c'est au début de carrière ou en fin de carrière. Peu importe, mais... Ben, au début de sa carrière, il gagne un peu moins de 2000 euros. Et la retraite, elle est combien? La retraite, dans les 1800, je pense, à peu près. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ça y est, Inès. Bon, de cette société-là, des jeunes de la galère, des vieux de la misère, de cette société-là. Tout à l'heure.
salaire. Mais on vous enseigne aucune, aucune, aucune ambiguïté. Non, 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 à la précarité. C'est pas grave. Madame, faites attention. Hey, faites attention. On est en train de changer notre mentalité.